Allez, salut à toutes et à toutes, c'est Gargaming TV et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du jeu Wise So Evil. Donc le jeu, quand on le lance, on tombe directement sur le jeu, il n'y a pas de menu, il n'y a rien du tout. Il y a 50 levels, il n'y a pas de sauvegarde, enfin il n'y a pas, pour en parler, on peut s'arrêter à certains endroits. C'est le petit cube vert qu'on voit, c'est nous, ça joue avec les flèches. Voilà, on peut tomber par exemple. Le but du jeu, c'est d'aller au cube bleu sans toucher le cube rouge. C'est évident. Donc le jeu est dispo à 90 centimes sur Steam. Moi je l'ai eu comme d'hab 83 centimes via la Steambox. Donc les premiers levels sont très simples. Demain, samedi, je vous ferai la présentation de du jeu. C'est Dirt Shadow. En gros, c'est. Je vous ferai montrer ça demain. Et vu que ce jeu-là, comme je l'ai dit, j'avais une clé en rab. Je le donnerai dimanche lors de la récap. Ah, d'accord. Ah, il faut pas toucher. Violet. Donc voilà, donc là on peut voir que le truc il s'est épais. Bon, ce qui est bien, c'est voilà, ça pousse pas, donc le jeu reste malgré tout assez simple. Donc on peut jouer à deux players. Ça c'était évident. Ça c'était encore plus évident. Ça c'était évident de chez évident. Donc en haut on voit que je suis level 15. Que je suis mort actuellement 12 fois et que j'ai eu 0 diamant sur 10. Donc voilà, si un diamant,
Je suppose que... Et comment fait-on pour le récupérer? Le démon, je sais pas du tout comment le récupérer. Ça c'était... J'ai gardé ici à deux joueurs. Ah non, parce qu'à mon avis... Je me disais peut-être qu'à deux joueurs, en fait, le but du jeu, faut qu'on se retrouve. Ah non, voilà, à deux joueurs en fait, voilà, c'est ça, c'est en gros on y a deux cubes. Donc en gros c'est pour corser une fois de plus la difficulté. Par rapport au jeu que j'ai testé hier, déjà je trouve déjà beaucoup plus simple à comprendre. Parce que je rappelle celui d'hier, impossible de le mettre en plein écran, impossible de jouer. Je crois qu'il y avait d'ailleurs même pas de son. C'est possible de sauter par-dessus. Il faut vraiment prendre de l'élan sans s'arrêter. On va essayer de finir celui-ci. Sinon, à 50 morts, je m'arrête.
réception où chaque fois j'y arrive pas. Je sais que j'ai aussi une extension de jeu là. Donc certainement je la présenterai au retour des vacances. Puisque ça doit être un peu même du même style que la vidéo que j'avais fait il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas. On va s'arrêter là. Donc c'était la présentation de ce petit jeu. Donc c'est Wise Wavy si je ne me trompe pas. Donc il y a le 2 qui est sorti, enfin c'est une extension. Demain on se retrouve pour la présentation du jeu Dirt and Shaden. Donc c'est un gros jeu, hein. J'ai réussi à l'avoir gratuitement via Humble de Battle. Bon, je dois être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je sais plus exactement. Ils font un jeu gratuit. Personnellement j'ai réussi à en attraper par 2 avec ce site. J'ai réussi à voir justement Dutch Arden et aussi Tropico 4. C'est pas un gros jeu mais c'est déjà ça. Donc voilà, c'était Core Gaming TV, on se dit à demain.